Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 16 ans, je suis en terminale au lycée Jeanne d'Arc à Orthez. Je suis les enseignements de spécialité mathématiques et histoire géopolitique. Aujourd'hui, je vais interviewer mon camarade ici, présent. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Corentin, je suis en terminale, je suis les spécialités de maths et physique chimie. Donc Corentin, depuis combien de temps es-tu élève de l'établissement? Maintenant, ça va faire maintenant 7 ans que je suis à Montcad. Corentin, quel a été ton meilleur souvenir au sein de cet établissement? Je pense que mon meilleur souvenir, c'était quand nous avons réalisé un voyage scolaire en seconde sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quelle a été ta motivation ou celle de tes parents pour t'inscrire ici? Nous avons eu la chance de réaliser plusieurs visites dans des établissements et le point fort de mon cadre, je pense que c'était le côté familial entre élèves et profs. Corentin, ça fait maintenant 7 ans que tu es en internat. Ouais. Que peux-tu nous rapporter sur cette expérience? J'en garde un très bon souvenir. Il est vrai que mes deux premières années, ça a été compliqué, puisque c'était vraiment une première pour moi. Et maintenant, je peux vraiment dire que nous avons tissé des liens entre élèves et nous pouvons vraiment dire que nous formons vraiment une très très belle famille. Et je pense que j'en garderai que des très très bons souvenirs. Maintenant que tu vas quitter le lycée, qu'est-ce que cet établissement a pu t'apporter? Je pense qu'elle m'a apporté beaucoup de maturité, puisque j'ai pu réaliser plusieurs projets au sein de cet établissement. Et nous avons eu la chance d'avoir plusieurs profs qui nous ont accompagnés tout au long de ma scolarité à Montcad. Donc franchement, une grande chance. Donc voilà, beaucoup de maturité et un bon avenir. Peux-tu me donner trois mots qui pour toi représentent au mieux cet établissement? Je pense que les trois mots qui qualifient cet établissement seraient travail, pédagogie et divertissement. En tout cas, merci Corentin d'avoir répondu à toutes mes questions. Sans aucun souci, merci à toi et passe une bonne journée. Passe une bonne journée.